sable, ici, c'est assez concentrant. Ça, c'est votre plaisir individuel. Vous voyez, c'est la plus grande quantité de tous. Hein. Le plaisir individuel que vous allez ressortir de ce match-là. Ça, les cailloux, c'est le plaisir un peu que vous pouvez apporter aux autres, à votre famille, etc., pour qui vous venez jouer, s'il y a des gens qui viennent vous voir, etc. Voilà, et le club dans son ensemble. Les balles, c'est nous, les balles de ping-pong. Notre projet, le collectif, pourquoi on est là, sportivement, où on veut aller, tous ensemble. D'accord ? Ça, c'est vous, votre plaisir personnel. Votre famille, vous êtes là plus pour faire plaisir à votre famille qui vient vous voir que vous. L'équipe. Il y en a qui se retrouvent sur le carreau. On ne peut pas atteindre l'objectif, c'est pas possible. Maintenant, avec les mêmes choses, pour avoir un résultat différent, maintenant si on commence par notre objectif principal, pourquoi on est là, nous tous ensemble. D'accord ? Et qu'on le met dans le local. Derrière, on en garde un peu pour tous nos proches, le club, etc., qui vient nous voir, qui vient nous encourager. Vous, maintenant, la même quantité de bonheur pour vous, exactement la même, d'accord ? Mais maintenant, partagez avec les autres. La quantité de plaisir pour les uns et pour les autres, elle est la même. D'accord ? Sauf que là, on réalise tous notre plaisir personnel, le plaisir collectif, et la réussite de notre objectif commun, tous ensemble. Ah oui, bah ici oui, toujours. C'est terrain délicat, un dimanche, on n'est pas habitué à jouer un dimanche. Match 100% piège. Bonjour à tous, bienvenue ici au stade d'Ouvre-la-Délivrandre pour une nouvelle journée de régional. Renaud, là, il va prendre l'avantage sur son pied gauche. Ouah, il a dévissé bon retour, un petit peu. Allez, Victor Guerrier, le bon contrôle, la frappe du gauche. Ouah, c'était bien joué cet enchaînement de la part du capitaine de la GECAM. C'est bon, un bon relais, un bon 1-2. Ah, le contrôle un peu long, hein, c'est sur, pas perdu. Sur ce terrain. Et là, ça va faire but. Allez, Ben Renault, ça tape à côté. Et c'est pas fini là. C'est une bonne occasion pour la GECAM. Encore un nouveau centre de Romain David. Encore une fois, oh, il était tout seul, Ben Morel. Vraiment complètement seul dans la surface. Pancrate. Bon centre, très bon centre. La tête de Victor Guerrier, ça passe au-dessus. Allez, encore Ben Renault. Il y a du monde dans la surface de réparation. Il a tenté le retrait. Oh, voilà pour ça, Ben Renault. Ben Peno, quel arrêt du gardien. On cherche loin devant, faut sortir Kenny ouais. Renard, voilà, qui est bien fait. Cool, tout juste. Oui, hein. Limite, oh, il y a l'arbitre hein. Là-bas, il a, ah oui, l'arbitre ah, a oui. Signalé. Hein. Attention, le marchand, c'est le marchand, et c'est le but. Et Kenny Renard qui était gêné hein, par son mur, c'est le problème. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu détournée. Attention pour le marchand et pour Bad Boot là qui va se présenter face à Kenny gardien. Renard et la frappe ouais, super barré de Kenny Renard. Ouais. Allez, Victor Guerrier. Ouais, bien encadré Alex Tessier. C'est voilà, c'est la fin de cette première période avec. Attention, attention oh à cette passe là.
Oh, quelle mauvaise passe et quel retour hein, de Kenny Renard. C'est pas fini avec Ben Renault qui centre et but. Et c'est le but, il n'y a pas hors-jeu. Et ben allez, la rentrée de Flo Suzanne. Quel coaching, magnifique coaching. Entrée de Flo Suzanne. C'est bien joué ça avec Léo Hamel. Ouais, belle situation. Hein. Allez, pour Ben Renault qui déborde encore, qui centre pour Victor Guerrier, c'est le but. Il n'y a pas hors-jeu. Va jouer toi contre un Ben Renault, vas-y. Il va aller provoquer peut-être. Oui, ça oui. Y est, il est passé. Suzanne, attention à bas de bout là. Ouh. Non. Ouais. Pas de main. Bon, la main était pas décollée, il me semble. Attention, contre-attaque. Attention à bas de bout. Mais Flo qui intervient très vite. Oh, ça c'est pas gentil du tout. Ça va être un carton rouge ça. Ouais. Il faut reprendre ce ballon parce qu'il va y avoir des contres avec Ben Morel. Et c'est fini. Victor, et c'est fini. Ils jouent leur vie, enfin pas leur vie mais leur maintien, donc ils doivent prendre des points, qu'on soit promis ou pas, eux ils s'en fichent, ils veulent prendre des points en plus chez eux. Un dimanche après-midi on sait que c'est compliqué, donc bah, on savait que de toute façon que ça allait être difficile. Après le travail est fait malgré le but qu'on prend en première mi-temps, sur la seule occasion qu'ils ont d'ailleurs. Non, c'est le principal, c'est les trois points. Ouais, mais on était bien en première mi-temps. En première mi-temps, on a quand même réussi à avoir les plus grosses occasions. On arrivait à être dangereux facilement. Eux, je pense qu'ils marquent, sur leur seule occasion. Et encore, c'est pas vraiment une occasion puisque c'est nous qui leur donnons le but. Voilà. Après, c'est un fait de jeu. Et je sais pas si la balle, si vraiment il y a main, si à main, si elle est en dehors de la surface. Après, le coup franc, il est contré, passe entre les jambes de notre gardien. Bon, voilà, ça arrive. Après, n'empêche que dans le jeu, on avait réussi à être dangereux en première mi-temps sans concrétiser, mais on avait réussi à être dangereux. Le coach a recadré un petit peu de trois choses. Après, pas grand-chose. Hein. On maîtrisait quand même le match malgré ce but. On savait qu'on aurait d'autres occasions. Il fallait rester calme parce qu'on commençait à s'énerver en fin de première période. Comme on veut gagner et que Vire a gagné la veille, il fallait marquer. Mais on savait que de toute façon, dans tous les matchs, on avait les situations, donc on n'était pas spécialement inquiet. Ouais, ils nous attendent. Ils sont tous. Enfin, ils ont un plan de jeu. C'est à peu près tous les week-ends les mêmes plans de jeu d'équipe adverse. Et ils nous attendent bloc bas. Et ils jouent qu'en contre. Voilà. On essaye de concrétiser au mieux nos occasions. Mais bon, à 11 derrière, c'est jamais facile de marquer. On joue des équipes qui sont en train de jouer leur peau aussi, hein, qui jouent le maintien, donc c'est normal que tous les matchs soient compliqués. On sait qu'on est attendu tous les week-ends, on sait qu'on ne gagnera pas tous nos matchs 5-0, donc là, en ce moment c'est vrai qu'on gagne sur des scores serrés, mais c'est ce qui fait la beauté des victoires aussi. Rien n'est joué, il reste encore 6 matchs je crois, voilà, 5 matchs. Non, rien n'est joué, il faut aller maintenant gagner à Ducé, c'est pas gagné là-bas, on sait que c'est très compliqué. Et voilà, on enchaîne les victoires, c'est bien. Derrière, ils enchaînent aussi les victoires, donc le moindre faux pas peut coûter cher. Mais bon, on a quand même un matelas de points d'avance assez tranquille. Après, les 6 premiers mois, ils étaient assez compliqués pour moi. Nouveau club, nouvelle tactique, etc. Il fallait que je m'adapte. Je pense que je me suis assez adapté rapidement, mais voilà, il fallait que je prenne mes marques, que je trouve mes repères, et puis bah, après 6 mois, on crée des affinités, et puis bah, avec l'équipe, après ça coule tout seul, donc je prends plus de plaisir que les 6 premiers mois. Ouais.